dont le hadith rapporté par le Bukhari et Muslim selon An-Nu'man ibn Bashir disait: dans le corps, il y a un morceau de chair. C'est les saints, tout le corps est saint. Et c'est les corrompus, tout le corps est corrompu. Dans ce hadith, le messager sallallahu alayhi wa sallam attire notre attention que le cœur dont il parle ne désigne pas seulement cet organe physique, mais avant tout le centre subtil de notre être. Il est, on va dire, l'outil qui va nous permettre de recevoir la connaissance divine, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le siège de la foi. Comment le cœur, cet organe physique, peut-il assimiler ou corrompre tout le corps? Dans quelle mesure un morceau de chair peut-il être le siège de la foi, de la taqwa, et être l'organe de la perception spirituelle, comme c'était dans le Coran? Parce que dans le Coran, surat Qaf, Dieu dit « Inna fi dhalika al-dikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid ». C'est-à-dire, le Coran s'adresse en premier lieu de celui ou celle qui a un cœur et qui est prêt à entendre, qui est prêt à saisir et à comprendre le message et à le vivre et à le mettre en pratique. Le Coran, mes chers frères et sœurs, s'adresse en priorité à ces gens-là qui ont un cœur en éveil, qui veulent aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre vie d'ici-bas, la vie future, le cœur est très important. Le cœur a un rôle décisif, que ce soit dans cette vie ou dans la vie future. Dans Sourate Ibrahim, Dieu nous parle de l'invocation d'Ibrahim. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où on est les biens et fait que je ne sois pas l'objet de ton courroux, le jour où on est les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui ou celle qui se présentera devant Dieu avec un cœur saint. C'est très important, la question du cœur. C'est une question centrale dans notre cheminement. C'est une question centrale dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. À titre d'exemple, mes chers frères et sœurs, nous accomplissons tant d'adorations. Les prières, le jeûne, ce qui sont certes des adorations corporelles, mais ces adorations ne sont valables, ne sont agréées par Dieu que si les adorations des cœurs sont valables, à savoir l'intention qui nous anime, à savoir la sincérité qu'on émet. D'ailleurs, dans le hadith, chez le Bukhari et Muslim, selon Omar ibn Khattab, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Les actes ne valent que par les intentions, et à chacun selon sa visée. Le cœur occupe une place importante, mes chers frères et sœurs, dans le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le regard de Dieu est focalisé sur le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala accorde une attention particulière au cœur. Est-il pur? Est-il sincère? A-t-il plusieurs facettes? Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, selon Abu Huraira, rapporté également par l'imam Muslim selon Abu Huraira, le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: Dieu ne regarde ni vos corps, ni votre paraître, mais il accorde une attention particulière à votre cœur. Le cœur pour le fidèle, mes chers frères et sœurs, aspirant à un meilleur être moral et spirituel, est l'élément central dans son cheminement. Il faut préparer la terre pour qu'il reçoive la semence. Il faut purifier son cœur de tous les mauvais penchants, de tous les mauvais caractères, afin qu'il puisse goûter le message, pour qu'il puisse épouser et embrasser le message afin de porter la responsabilité du témoignage. Éduquer son cœur et l'apaiser, réformer sa conduite et réaliser sa méditation éthique, tel est le sens d'une spiritualité rayonnante. La foi exige du fidèle de purifier son intention, d'examiner sa conscience, d'examiner sa sincérité
et de déployer les efforts nécessaires afin de mieux être, de mieux agir et de mieux servir Dieu ainsi que les êtres humains. Cependant, comment éduquer son cœur? Comment purifier son cœur? Comment le préparer dans ce mois béni et en dehors de ce mois béni afin d'être présent à Dieu, afin de goûter la douceur de la foi, afin de vivre sa foi sans complexe ni crispation? Alors, quelques éléments de réponse, mes chers frères et sœurs. En premier lieu, il faut que chacun et chacune d'entre nous entame un réel travail sur soi pour réaliser un retour sincère vers Dieu. In tauba. Quand on parle de retour sincère vers Dieu, cela doit se traduire par deux ou trois exigences. La première exigence, c'est que le fidèle s'arrête avec soi, éprouve des regrets vis-à-vis de négligence, des manquements, des laisser-aller vis-à-vis dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, c'est qu'il faut essayer d'avoir la ferme résolution de se transformer, de réaliser sa mutation éthique. Il y a une volonté, il y a qui nous anime, que nous voulons changer, que nous voulons aspirer à un meilleur être moral et spirituel. Réaliser son repentir sincère et son retour sincère vers Dieu, c'est aussi ne pas être souillé par les péchés. C'est également se garder des choses douteuses. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam muslim, selon Hudayf ibn al-Yaman, les péchés assaillent le cœur, les unes après les autres. Chaque cœur qui les accepte sera taché d'une tache noire. Et chaque cœur qui les rejette sera taché d'une tache blanche. Jusqu'à ce qu'on aura 10 cœurs de deux sortes. Un cœur qui est obscur, une tache noire sur une tache noire sur une tache noire, une tache noire, le cœur devient obscur. Il ne reconnaît aucun bien. Il ne renie aucun mal. Et puis, un cœur qu'aucun péché, qu'aucune turpitude ne peut toucher. Donc ça, c'est la première chose. Essayer de réaliser une mutation éthique, un retour sincère vers Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la ferme résolution de s'agripper sur cette voie, de ne pas la lâcher. Certes, nous sommes des humains. Certes, nous sommes sujets à de l'oubli, à de l'insouciance, à de la négligence, à des manquements vis-à-vis de nos devoirs. Mais le plus important, c'est de rectifier le tir. Tout de suite, rectifier le tir. Tout de suite, faire suivre la mauvaise action d'une bonne action et l'effacera. Deuxième élément de réponse, mes chers frères et sœurs, c'est qu'il faut l'effort dans la pratique. C'est un élément important. On n'a rien sans rien. Sans effort, on ne peut pas y arriver. Dieu nous dit dans Sourate Al-Ankabout, Sourate 29, verset 69, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux et celles qui auront fait des efforts pour notre cause, nous les guiderons dans notre voie. Et certes, Dieu est à côté de ceux qui aspirent à la perfection. L'effort dans la pratique, certes, mais sans se mettre en danger. L'humain, comme nous tous, parfois, on culpabilise. On dit, voilà, il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour atteindre les degrés des pieux, pour aspirer à un meilleur être moral et spirituel. Et parfois, on peut se mettre en danger. Il s'agit, mes chers frères et sœurs, de suivre la voie des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, qui était la voie du juste milieu. Il faut l'effort dans la pratique sans excès, sans démesure, sans se mettre en danger. D'ailleurs, à l'époque des messagers, sallallahu alayhi wa sallam, certains compagnons et compagnonnes ont essayé de faire la même chose. À titre d'exemple, une fois, dans le hadith de l'imam Bukhari, les messagers, sallallahu alayhi wa sallam, est rentré à la mosquée, sur les poutres de la mosquée, il a trouvé des morceaux de ficelle ou des voilà qui tenaient. Le monsieur Sassim a posé la question aux compagnons, à quoi servent ces câbles? Et les compagnons ont dit, c'est Zainab. Zainab, lorsqu'il veille la nuit en prière, s'il est fatigué, ben il se tient avec ces deux câbles, comme ça il reste éveillé. Et le messager Sassim, il leur a ordonné de les enlever.
Il a dit liyakum ahadukum nashatahu. L'un de vous, s'il veut veiller, s'il veut être présent à Dieu, s'il veut prier, qu'il prie le moment où il est en capacité de le faire. Il ne faut pas qu'il se mette en danger. Lorsqu'on est fatigué, on arrête. Un autre exemple, c'est un hadith du Bukhari Muslim sur Abdullah ibn Amr ibn al-As qui raconte cette histoire que lui, en étant jeune, il disait, il a pris la décision, il a fait ce pacte-là avec soi, il disait, tant que je vis, je jeûnerai le jour et je veillerai la nuit, et je passerai la nuit en prière. Et le messager, lorsqu'il a eu écho de cet engagement, il l'a appelé, il a dit, c'est toi qui as dit telle ou telle chose, il a dit, par Dieu, messager, je lui dis. Et le messager, il lui dit, ne le fais pas, tu ne pourras pas assuré dans la durée, parce que vous savez, un travail pour qu'il soit agréable à Dieu, pour qu'il soit aimé par Allah, il faut qu'il soit accompli de manière permanente, il faut qu'il soit s'inscrit dans la durée, si petit soit-il. Et le message dit, ne le fais pas, mais prie une partie de la nuit et dans une autre, jeûne quelques jours et remplis et fais la rupture du jeûne d'autres jours. Et si tu veux, jeûne juste 3 jours par mois, ce qu'on appelle les jours blancs, le 13, le 14, le 15 de chaque mois lunaire. Comme la bonne action, on vous dit en islam, c'est comme si tu as jeûné tout le mois. Et si tu fais ça tout le mois, c'est comme si tu as jeûné toute la vie. Il a dit au messager, je suis capable de faire mieux que ça. Alors le messager lui a dit, jeûne un jour sur 3. Il a dit, je peux faire mieux que ça. Le messager a dit, alors, jeûne un jour sur 2. C'est le jeûne du prophète de Dieu Daoud. Et c'est la meilleure façon de jeûner. Dans la version de l'imam muslim, et c'est le jeûne le plus juste. Il a dit au messager, je peux faire mieux que ça. Et le messager a dit, il n'y a pas mieux que ça. Il n'y a pas meilleur que cela. Le hadith ilan, et Abdullah ibn Amr al-As nous dit, lorsqu'il est devenu âgé, il est dit par Dieu, j'aurais souhaité accepter la permission des messagers de jeûner que 3 jours par mois, parce qu'avec l'âge, il n'arrivait pas à assurer. Il a dit, je me suis mis en danger. Et les choses ont été rendues plus difficiles encore pour moi. Donc ça, c'est très important, mes frères et sœurs, d'appréhender sa foi dans la douceur, d'appréhender sa foi sans se mettre en danger. Troisième chose, c'est de persévérer. Persévérer dans l'accomplissement de bonnes œuvres, persévérer dans le dhikr. Les bonnes œuvres ont un impact bénéfique sur nos cœurs. Le dhikr a encore plus d'impact sur nos cœurs. Le dhikr dans le sens global. La prière est un dhikr. Wa aqimis salat al-dhikri. Le Coran est un dhikr. Inna nahnu nazzalna ad-dhikra wa inna lahu lahafidun. Et le dhikr dans le sens qu'on connaît, le fait de mentionner Dieu inlassablement. Dieu dit dans le Coran, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Ceux qui portent la foi et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation de Dieu, n'est-ce pas que dans l'évocation de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Quatrième lieu, mes chers frères et sœurs, quatrième élément de réponse, et c'est le dernier, je m'arrêterai là, et c'est un élément très important, c'est que il nous faut, autant que musulmans, aspirons à cheminer convenablement et comme il se doit vers Allah subhanahu wa ta'ala, et vivre pleinement ce mois béni, il nous faut de l'humilité dans notre cheminement. Il faut être conscient de ses qualités comme être conscient de ses défauts, de ses difficultés, de ses déficiences. Et s'il y a de l'exigence c'est avec soi, avec les autres créatures de Dieu, avec les gens, avec les autres musulmans, il faut être dans la douceur. Jamais dans la condamnation. Jamais dans la distribution du bon et du mauvais poids. C'est très important. Parce que malheureusement, et ça on le voit souvent, il y a des personnes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide nos cœurs. C'est un conseil pour ma petite personne et pour mes frères et sœurs.
c'est qu'on arrête de distribuer des bons et des mauvais points. Qu'on arrête de regarder les gens d'en haut. L'imam Abu Ishaq Shirazi, rahimahullah, rapporte cette histoire. Il nous disait qu'une fois, il veille la nuit, il passe la nuit en prière nocturne avec son père. Et autour d'eux, il y avait beaucoup de gens qui dormaient. Et lui, il a fait cette réflexion. Il a dit à son père, il n'y a personne parmi ces gens qui dorment. Une seule personne qui se lève pour faire une paire de rak'a pour Dieu. Et son père lui dit, mon fils, vaut mieux dormir. Parce que ce que tu viens de dire là, c'est grave. Ce que tu viens de dire, tu as condamné ces gens-là. Tu as distribué des bons et des bons points. Ta foi, c'est ardente soit-elle, ne te permet pas d'être dans le jugement. Ne te permet pas de dire ce qu'ils doivent faire les gens, ce qu'ils ne doivent pas faire. Il ne faut pas regarder les gens d'en haut. Il faut toujours avoir de l'humilité. Il faut avoir toujours de la douceur. Il faut avoir toujours le pécheur le regarder avec un regard de miséricorde et de bonté. Ayez de la haine pour le péché des égandis, ayez de la haine pour le péché et de l'amour pour le pécheur. Ibn Atta'Allah Sakandari, rahmatullah alayhi, disait, c'est dans ses sentences, un péché qui suscite humilité, qui suscite repentir et regret, est plus agréable à Dieu et vaut mieux qu'une dévotion qui suscite de la suffisance et de l'orgueil. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'y arriver, mes chers frères et sœurs. Qu'Allah azza wa jalla nous permette de purifier nos cœurs, de goûter la douceur de la foi, de vivre pleinement ce qui reste de ce mois béni, afin que nous sortions chacun et chacune d'entre nous victorieux. Annafouza billah. Notre victoire, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. Man lam yafouz billahi fala nihayat li hasrati, disaient nos prédécesseurs. Celui qui ne sort pas victorieux de Dieu, ça veut dire qu'il sera Allah subhanahu wa ta'ala qui est notre principal objectif et principale finalité d'accéder à son amour et à sa proximité. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين